Coucou, bonjour, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste, romancière et blogueuse à mes temps perdus. Je sais que nous passons des moments assez difficiles, mais moi je suis toujours dans la détente pour apporter ma touche d'humeur, d'humour, pour que les gens se sentent nettement mieux, parce qu'on ne va pas être confiné en se bouclant la bouche, en restant triste. Ça ne va pas apporter des solutions. Nous allons trouver une solution pour le coronavirus. Je fais confiance aux médecins français. C'est toujours les plus forts. Nous sommes les plus forts en tout. Nous allons trouver une solution. Donc, à partir de ce moment, je reste tranquille. J'attends que les médecins trouvent le vaccin, la solution miracle en tout cas. Ce matin, j'étais en train de penser que je suis contente de mon comportement, de ma façon de voir la vie, les choses. Parce que quand les gens se sont mis à me faire la guerre, les organisateurs de spectacles se sont mêlés. Personne n'a voulu m'inviter parce qu'on se dit, je suis la bête noire. Maintenant, les salles sont annulées, on annule tout. Moi, je suis chez moi, j'ai ma salle de spectacle qui est toujours complète. Je n'ai pas besoin d'aller me faire toucher par n'importe qui organise des spectacles pour qu'on me programme. De ma fenêtre, je programme mon show et je fais mon show. Je fais mon show comme je le fais là. Je fais mon show. Je n'ai pas besoin d'aller me faire inviter. Ce n'est pas l'intelligence, ça. Je me suis dit, ces gars qui veulent toucher les femmes n'importe comment, ils n'ont qu'à toucher celles qu'elles touchent. Moi, je ne me fais pas toucher par n'importe qui. Je ferai mon spectacle, même chez moi, je vais me faire connaître et me faire entendre, c'est tout. C'est le plus important. Et j'y suis, et je suis contente parce que j'ai réalisé cet exploit-là pendant que certains manipulent les femmes. Pour chanter, il faut qu'on te touche, il faut qu'on te fasse nanani nanana. Moi, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Je fais mon spectacle chez moi et je me fais entendre. Et je vais danser parce que c'est un exploit. Les salles sont annulées. Moi, ma salle n'est pas annulée. Je suis chez moi, je fais mon show à toutes les positions et je me fais surtout écouter et entendre. Pas par la masse. Maintenant, c'est la classe qui m'écoute. C'est pas une fierté ça. La classe m'écoute. Les vrais m'écoutent. Je salue en particulier tout le groupe L'Anecdote au Cameroun, Vision 4 au Cameroun, Vision Extinct. C'est Aline qui vous salue. Je salue le président directeur général, Sa Majesté, notre célébrissime milliardaire et quand Jean-Pierre Mukbelinga. Tous mes respects. Un gros bonjour à toute la famille, jusqu'à la quatrième génération. La mascotte vous salue, c'est ça. Tout, chacune de nous a son travail. Voilà mon travail. C'est facile ici dehors. À quoi